messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les techniciens du CEVADEC, mesdames et messieurs visiteurs fidèles du CEVADEC et de notre politique environnementale. Je me réjouis ce jour d'être là à vos côtés et d'investir une nouvelle fois le Chanel, ce haut lieu de diffusion, de création de spectacles et de manifestations artistiques festives et populaires. Je remercie les élus du CEVADEC présents aujourd'hui qui travaillent chaque jour au développement de notre syndicat intercommunal. Permettez-moi également de remercier M. Francis Peduzzi, directeur du Chanel Scène Nationale, ainsi que l'ensemble de son équipe, de nous donner l'opportunité d'investir une nouvelle fois ces lieux appelés le Chanel. Il me soit permis aussi de féliciter la ville de qualité de Calais, pardon, c'est une ville de qualité, on peut le dire, de Calais, propriétaire de ce haut lieu culturel qui prône une politique culturelle dans la cité des six bourgeois, avec un rayonnement international, si ce n'est rappeler l'événement longuement. Je tiens à excuser Madame Natacha Bouchard, maire de Calais, présidente de Cap-Calaisie Terre d'Opale, et vice-présidente du Conseil régional Hauts-de-France. Cette troisième édition de la journée du réemploi et de la réparation est l'occasion de vous initier, grâce à l'ensemble de nos partenaires, à des astuces pour réparer ou valoriser un objet condamné auparavant à l'enfouissement. La France est un pays riche qui baigne dans cette société de consommation dans laquelle nous achetons, utilisons et jetons. N'ayons pas peur des mots, nous consommons à outrance, gaspillons les richesses actuelles en hypothéquant celles des générations à venir. Cela doit cesser. Nous, ici, au sein du Chanel, les élus, les exposants et visiteurs, nous sommes conscients des enjeux à venir pour notre futur et notre planète. Le Grand Calaisis travaille, grâce aux habitants, sous l'impulsion d'élus visionnaires, à réduire l'enfouissement et à faciliter le tri écologique au sein des communes. L'enfouissement a un coût de plus en plus élevé avec une TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui est galopante. Plus nous enfouissons, plus l'habitant paiera. Cette taxe n'est pas pour le CEVADEC, mais directement, je le rappelle, perçue par l'État. Pour entreprendre sereinement l'avenir, le CEVADEC procédera sur son pôle de valorisation des déchets implantés rue Jacques Monod à Calais, à la mise en service d'ici décembre 2019 d'un CVOMR, Centre de valorisation des ordures ménagères résiduelles, qui permettra ainsi de détourner les déchets condamnés à l'enfouissement vers des filières de recyclage, limitant ainsi le transport, l'enfouissement, tout en réalisant des économies substantielles. Nous compléterons alors nos équipements déjà existants, à savoir le centre de tri des emballages ménagers d'une capacité de réception de 30 000 tonnes par an, d'une unité de production électrique, la fameuse usine de biométhanisation, et de notre parc de 8 déchetteries qui, je vous le rappelle, est désormais ouvert tous les jours de la semaine afin d'améliorer un service proposé aux habitants et d'éviter par la même occasion nos dépôts sauvages. Nos installations font l'objet aussi de visites quotidiennes et gratuites par de nombreux et différents publics, et si cela n'est pas encore fait, je ne peux que vous conseiller vivement à l'entreprendre. Monsieur Rock est à votre disposition pour assurer les visites. C'est la liaison avec la pédagogie à l'environnement qui reste aussi l'une de nos priorités. La réduction, le tri, le réemploi, la réparation, le recyclage et la valorisation s'opposent à la consommation, au gaspillage sous toutes ses formes, à l'obsolescence programmée, comme pour les produits informatiques notamment, ou esthétiques. On peut parler du fameux écran plat qui tombe en panne au bout de quelques années, par exemple, ou encore, et là c'est encore plus flagrant, vos téléphones portables, une durée de vie de 2 ans à 3 ans, après ça commence à se détraquer. Concernant les mobiles, vous pouvez alors les déposer dans l'une de nos 8 déchetteries afin d'aider l'association Pour la vie, venant ainsi en aide aux enfants myopathes, ou sur notre stand de CEVADEC situé à l'entrée de la grande halle du Chanel. Toutes les initiatives pour éviter de jeter sont à étudier pour le bien du plus grand nombre et pour les générations futures. Je suis fier et heureux de compter sur une population éco-citoyenne concernée et sur nos partenaires d'aujourd'hui qui, chaque jour, œuvrent par leur talent, leur passion à créer de nouveaux objets.
Profitons de cette journée du réemploi et de la réparation pour échanger, apprendre des techniques et autres astuces pour réutiliser, réparer ou entretenir et du coup produire moins de déchets, limitant ainsi notre impact environnemental. La politique des 5 R, réduire, réparer, réemployer, recycler, réutiliser, que prône chaque jour le CEVADEC, mérite bien une journée spécialement dédiée. Dès lors qu'il me soit permis de vous annoncer pour cette 3e édition de notre journée, 32 animations et dont 17 nouveautés. Mille merci à nos partenaires d'un jour de nous accompagner dans nos actions en faveur de l'environnement. Et enfin, petits et grands, nous apprécierons le long de cette journée les talents musicaux de la troupe, les transformateurs acoustiques en provenance de Nantes et qui étaient encore en juin dernier en tournée en Russie, preuve de leur talent, un talent qui s'expose à l'étranger. Nous procéderons également durant la journée à un troc de jouets pour les enfants qui pourront également se maquiller et recevoir de la part du CEVADEC de nombreux cadeaux à l'image d'une barbe à papa, ballons et autres goodies. Cette journée sera conviviale, festive, ludique et à n'en pas douter une réelle réussite. Je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes peut-être sur une journée importante pour le CEVADEC et demain c'est la journée nationale du gaspillage alimentaire. Tenez à le rappeler. Cette journée donc sera conviviale, ludique et à n'en pas douter une belle réussite. Pour terminer mes propos, je souhaite vous dire simplement et en toute sincérité, merci à vous tous, exposants et visiteurs, de nous honorer de votre présence. Mesdames et messieurs, mademoiselles, je vous souhaite un agréable moment et puis j'espère que les enfants pourront aussi s'éclater parce que je sais qu'il y a quelques manèges dans la cour, il n'y a pas qu'à l'intérieur de la grande halle, tous les locaux, l'espace est bien rempli et je remercie aussi les exposants qui sont à l'extérieur, même si la journée nous est favorable d'un point de vue météorologique. Bonne journée à vous et merci de votre attention. Maxime, je travaille à l'association Opal Vélo Service. À Opal Vélo Service, on a 3 services principaux, la location, la réparation et la vente de vélos de réemploi. Donc on a 2 volets de sensibilisation, une sur le mode de déplacement doux et actif et un autre sur la réduction des déchets. Car le vélo de réemploi, c'est on récupère des vélos en déchetterie, donc on a un partenariat avec le CEVADEC. Et ensuite, on les démonte entièrement pour refaire un nouveau vélo. Ça permet d'acquérir un vélo à un prix assez économique. Et comme le vélo est un outil aussi, un mode de déplacement sur l'utilisation économique, c'est tout bénef. On est situé au boulevard Jacquard, 39 boulevard Jacquard. Notre numéro de téléphone, je peux vous le donner, c'est le 03 21 00 07 41. Regarde, voici l'eau. PU, je tiens la société PU Service. Je fais tout ce qui est dépannage électroménager. Je ne fais pas de vente. Ma priorité, c'est de réparer avant de changer la pièce et de refaire partir la machine un peu comme neuve. Donc, je récupère aussi des anciennes machines pour pouvoir refaire en occasion, qui permet aussi de relancer les machines et de pouvoir les recycler. Pour les personnes qui sont intéressées et qui veulent des renseignements, vous pouvez toujours passer à mon atelier au 49 boulevard de Gambetta. Je suis pas très loin du forum, donc on est facile à me repérer. Il y a une très grande enseigne où on voit mon logo comme derrière.
Je suis Stéphie, de Stéphie et compagnie. Je recycle le jean, les chemises, le plaid. Je fais ce genre de petites choses avec des petits boutons, du jean et des chemises tissus. C'est un petit sac à dos pour enfants, pour aller à l'école. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, Stéphie et compagnie. Je fais attention à ce que j'utilise et ce que je rejette. Il n'y avait pas besoin de poubelle à mon temps. Je faisais spontanément. Mais maintenant, avec tous les déchets qu'on voit, que les gens ils sont incapables de comprendre qu'il faut les recycler parce que la nature elle est déjà assez polluée comme ça. Les mers ils sont bourrés de plastique et tout ça. Donc c'est le moindre des gestes, c'est de ramener au bon endroit. Il y a des grandes surfaces, je ne vais pas dans les grandes surfaces, donc c'est pour ça que je viens ici aujourd'hui. Voilà, et donc assez quoi, assez de pollution, assez de j'en foutiste, assez. Je m'appelle Amadou Fatoumata Ba. Bon, je travaille sur la récupération des objets inutiles, notamment sur les pneus comme jantes, comme vélo cassé et tous les objets qui sont un peu particuliers et puis qui résistent à tout les températures, à l'hiver, l'été et tout. Bon, avec les pneus, je fais des sculptures, je fais des meubles, du design, bon, pas mal de choses que les gens bon, apprécient beaucoup, ils aiment beaucoup aussi. Et en plus, ici là où je suis, bon, je me sens très bien parce que les gens, ils m'invitent sur tous les événements qu'ils organisent, bon, je viens, je participe. Bon, il y a les déchetteries, la Sevadec qui m'aide aussi à donner des pneus comme Opal pour les cerises aussi.
C'est des gens sympas qui mettent sur leurs déchets, par exemple, le restant des pneus, les cadres et tout. Et il y a aussi l'espace, la fabrique, avec Grand Luc aussi, qui met sur plein de choses. Bon. Et une artiste qui pose, qui chante au cabaret, que quand le rideau tombe, les roses vont en bouquet, pour devenir passé, un tirant d'opéra, il ravine parfois des étoiles de diva. Et un grand magicien, que tout le monde s'interroge, et sur tous ses tours, et que pleuvent les éloges, pouvoir jouer Chopin, être un grand virtuose. Traverser l'océan, quand est-ce que personne n'ose être une belle récompense, remise avec gare, une coupe, une médaille, un sucre d'un Jean César, se trouver encadré au sein d'un grand musée, être la première pièce d'une collection privée, miroir, joli miroir, c'est tout qui est de plus, perdu dessus des chutes, des petits verres tout nus. Celui qui dansa, près des petites volées, de l'eau jusqu'à la Saint-Mégla se place. Le président d'un pays très important, au côté de la France. Ambassadrice du Ludobus à Espace Centre qui se situe à Calais.
Ma mission, c'est faire des jeux de société à travers la ville de Calais, dans les quartiers prioritaires ou non. Nous avons aussi des partenaires qui se déplacent, comme les IME ou les maisons de retraite, les EHPAD, etc. On fait des jeux de société diverses, des jeux d'éveil pour les plus jeunes, des jeux linguistiques, des jeux de couleurs. On a vraiment une diversité de jeux, de sociétés différentes. On a aussi des grands jeux en bois, comme vous pouvez voir par ici. Et aujourd'hui, on fait une action, on est au Chanel, sur une journée qui traite sur l'environnement et le tri. Voilà, merci. Oui, hein, c'est intéressant, c'est important. Bon. Merci à tous d'être venus. Merci, hein, merci de votre présence. Ouais, c'est bien, avec tous les jeux. Des jeux sorciers, des jeux écologiques. Et puis après, bah, on va... Je récupère les voiles de bateau, donc des voiles, des ailes de caille, des voiles de voilier, que je transforme pour fabriquer des petits sacs, donc style cabas, ou petit sac à main, style polo chaud pour partir en vacances. Et donc j'ai déposé ma marque. Le jeudi après-midi de 14h à 19h, le vendredi matin à mon atelier couture de Christine à Saint-Folquin, 65 rue de Calais. Donc si les gens sont intéressés, donc, je peux faire des sacs vraiment personnalisés comme ils me demandent, au goût, avec des poches, différentes boutiques. Espace Fort, on a un atelier loisirs créatifs adultes qui est essentiellement basé sur de la récup. Donc les adhérentes viennent faire des choses, papoter, il y a une super ambiance et on utilise beaucoup d'objets de récupération. On fait aussi de la récupération de vêtements et donc une fois par mois on fait des bourses aux vêtements. Et puis ça permet de savoir où donner ces vêtements qu'on n'utilise plus et ça permet à d'autres de pouvoir les réutiliser pour un moindre coût. Après, dans ces objets, on peut les vendre aussi dans les marchés de Noël, dans les expositions diverses, et ce sont souvent nos bénévoles qui participent aussi. Il y a une très bonne ambiance, tout se passe très bien, et c'est super agréable de venir montrer qu'on peut faire des choses belles avec de la récupération et des choses pas très chères. Bonjour, je suis Linda, artiste récupératrice. Alors moi, mon truc, c'est la vaisselle. Je récupère la vaisselle pour en faire des mosaïques. En ce moment, on a un projet, on est en train de créer une mosaïque, une fresque, qui représente un arbre de vie. L'arbre de vie sera posé sur le blocos de l'association Racine Carrée. Donc c'est un projet participatif, c'est-à-dire que tous les samedis après-midi à la Maison des Associations à Calais, je propose des ateliers gratuits, donc tous les habitants, les citoyens qui veulent découvrir l'activité et participer à ce projet sont les bienvenus. La fresque sera posée cet été sur le blocos. En dehors de ça, avec de la vaisselle ancienne que les gens gardent dans leur placard, qu'ils n'utilisent plus, je fabrique des bijoux en sautoir, des bracelets, des miroirs. Donc voilà, tout est dans la récupération pour justement refaire découvrir les techniques d'antan, hein, la porcelaine, la peinture sur verre, etc. Mais je les remets au goût du jour. L'association Racine Carrée. Donc nous faisons du jardin au naturel, des méthodes de permaculture. Donc, permaculture, c'est culture permanente. Donc on utilise au maximum des produits qui sont produits par la nature. Hein, on essaie de jamais amener des produits extérieurs, surtout pas de produits chimiques, etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu, bon, c'est basé un peu sur le recyclage, la réparation, le réemploi. Hein, parce que chaque chose a toujours une vie avant de finir à la poubelle. Donc en exemple, bon, vous voyez un petit peu les rouleaux de papier toilette. Bon, ben, on a toujours tendance à les jeter, alors ça peut très bien servir pour déjà pour être mis au compost, hein, parce que c'est très compostable, ça apporte du carbone. Et au lieu d'aller acheter des petits pots plastiques, tout ça, pour faire vos semis, vous pouvez très bien les faire dans des rouleaux de papier toilette,
qui ensuite va pouvoir être enterré et se biodégrader tout seul et protéger un petit peu votre plant. Et ça vous a évité d'acheter déjà des trucs en fait. Donc, une autre méthode aussi du jardin qu'on utilise, toujours pareil, pour, c'est un petit peu le jardin sans moyens. On peut même faire aussi du jardin sans terre. Vous voyez ici, on a fait un petit exemple. On appelle ça la culture en lasagne. Donc, quand vous faites pousser des légumes là-dedans, vous avez des très bons résultats parce que c'est très très riche. C'est uniquement la matière organique, mais de la récupération. Donc, il y a mauvaise herbe, tonte de gazon, du carton. Après on met des déchets de légumes, etc. Et toujours on met des couches successives comme ça, c'est pour ça qu'on appelle ça la lasagne. Donc il n'y a pas de terre du tout. Mais tout ça, ça va se décomposer. Et comme c'est que de la matière organique, c'est très riche en nutriments. Et ça va se terminer en compost qui est très très riche et qui va vous permettre de faire un peu du jardin sans terre. Même dans une cour en béton. Souvent on dit que bah, moi je peux pas faire de jardin parce que j'ai pas de terre. Donc on peut faire la méthode de lasagne directement, faire pousser des légumes, quel que soit le légume, sur du béton. Qui s'appelle Fille à retordre. On fait des créations, on récupère. Donc on récupère de la chambrière de vélo, de la bâche publicitaire, on a des partenariats pour toutes ces récupérations. Moi je suis basée maintenant sur la côte d'Opale, donc je crée aussi beaucoup d'accessoires en récup, accessoires féminins, masculins, sacs, bijoux. Et j'anime aussi des ateliers récup et des ateliers couture. Donc l'idée c'est vraiment à partir de matières qu'on récupère de trouver des idées d'accessoires. C'est pas l'idée de l'accessoire qui va me donner une création, c'est plutôt la matière, qu'est-ce que j'en fais, comment je la transforme. Et puis à travers les ateliers c'est créer du lien social et puis permettre aux gens de se revaloriser, de reprendre confiance en eux à travers une pratique artistique et créative. Et voilà, c'est des échanges qui sont très riches. Et on montre aussi qu'avec peu de choses, on peut faire beaucoup. Donc c'est un peu la richesse des matériaux pauvres, comme on dit. Le CCL de Calais, Centre communal d'action sociale de Calais, qui est rattaché à la mairie, anime un atelier dans le cadre du contrat de ville dont la finalité est de permettre à des mamans solo, des femmes monoparentales de reprendre une activité, de définir un projet de vie. Et à travers cette activité, on a aussi un atelier meuble où on fait du réemploi et du reconditionnement de meubles pour justement avoir une activité support pour permettre aux mamans de rompre un peu l'isolement, que ce soit
social ou autre, et de reprendre que peut-être un jour une activité professionnelle. Sur la ville de Calais pour la troisième journée du réemploi du CEVADEC. Donc en tant que président, je suis fier et très heureux de l'organisation de cette journée, d'autant plus que 31 exposants nous ont rejoints et que c'est une belle marque de solidarité pour toujours être dans la politique publique que les élus ont insufflée depuis la création, c'est-à-dire un syndicat vert, et de faire en sorte de rester très sensible à la réutilisation, le réemploi et la réparation de tous les produits que nous consommons. Donc il y a plein de facteurs d'activités qui sont représentées, aussi bien sur le petit électroménager, le vêtement, les déchets qui peuvent être repris. Il y a beaucoup de créations et c'est là qu'on voit des exposants qui font preuve d'une très grande imagination pour retrouver une deuxième vie aux objets et de faire en sorte que notre planète reste propre. En plus, je dirais, du traitement et de la valorisation des déchets, valorisation matière, puisque nous produisons également de production énergétique, nous produisons de l'électricité à partir des déchets qui deviennent une véritable ressource. Et là aussi, on prouve que ça peut rester une ressource et avoir une deuxième vie avec la notion aussi de plaisir, puisque ces produits sont peu chers, et permettre soit de faire un cadeau, on approche de la fin de l'année, soit de décorer sa maison, ou de réutiliser tout simplement un appareil qu'on croyait défectueux. Donc j'espère que cette journée, qui est aussi pour les enfants, puisque le CEVADEC pense aussi d'un point de vue pédagogique aux enfants, et c'est l'occasion de visiter et d'être sensibilisé tout en profitant des jeux et d'une manifestation qui est, je le souligne, une manifestation familiale.